Bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemod et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode d'Arc. Et donc, je suis en compagnie de Pietro. Bonjour Pietro. Bonsoir à tous. Alors, bonjour à tous, comme vous voulez. Voilà. Alors, tout de même, petit truc que je dois montrer parce que c'est drôle. Voilà. Je veux monter, moi, saloperie d'échelle. Voilà. J'ai mis le dino de Pietro sur le toit. Je sais pas, ça me faisait marrer. Bon, il a aussi énormément de bouffe, hein. Non, vous voyez qu'il a des baies et des viandes en pagaille. Pourquoi? Parce que, en fait, on voulait profiter d'être en... Putain, Ghost Rider. Le retour de l'illuminé Rider, quoi, sérieux. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, on voulait profiter de l'off pour remplir les coffres. Donc là, vous voyez, par exemple, le bois, on en a un peu, quand même. Les branchages, on n'en a pas des masses, mais bon, ça va, c'est parce qu'il n'y a plus de récupérer. Les fibres, on en a un petit peu. Utilitaire, on a 118 pots actuellement. Aussi, j'ai fait deux grandes armoires pour les divers. Parce que une armoire était pleine et vous voyez tout de même qu'on a récupéré pas mal de bordel. Notamment tout ce qui est divers, on a récupéré ça dans les lumières. Donc c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, Pietro m'a dit ouais, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas explo. Oui. Qu'est-ce que. Mais c'est un Dilophosaure! Me disait bien que ça me paraissait suspect, ça. Tiens! Mange dans tes dents. Qu'est-ce qu'il y a? Cherche la merde, c'est ça? Non, mais saloperie. Excusez-moi, chers amis, un Dilophosaure a voulu chercher la merde. Comme vous le voyez, il est mort. Bon, c'est pas grave. Les deux pots... Enfin, les deux... Les trois viandes cuites. Enfin, les trois viandes crues, putain, j'ai du mal. On va les foutre là. Et donc, ça, on va mettre ça là. Ok, très bien. Donc... Chers amis, nous allons donc. Ah oui, alors attendez, excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc, bougez pas. Enfin, si, bougez si vous voulez, je m'en fous, c'est pour la vidéo, mais quand même. Tac, tac. Tout de même, un truc à faire. Voilà, parfait. Excusez-moi, je mettais le minuteur, pour ne pas que vous ayez des vidéos trop longues. Donc, chers amis, aujourd'hui, on va aller faire un tour en radeau, parce que Pietro est venu comme ça, il m'a dit. Ah, je crois que je me fais attaquer par un truc là. Il est où le radeau? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Bah, qu'est-ce que t'as dit là. Alors? C'est quoi? Allez, viens. Putain, je te voyais pas en fait. Hop! Ah ah! Je meurs de faim, galère. Donc, chers amis, donc on va aller faire un tour au radeau. Est-ce que Pietro il m'a dit. Ah, ce serait bien d'aller faire un tour au radeau histoire de faire les autres îles et éventuellement voir si jamais on aurait d'éventuels spots où s'installer qui seraient un peu plus sympas que la falaise. Alors, je dis oui. Par contre, Pietro, j'ai une question. T'en fais quoi de mon Jurassic Park? Oh, mais il y aura bien moyen de trouver ailleurs un spot. Hein. Je t'en foutrais, moi. Ghost Rider, le retour! Mais ça fait ça que quand t'as une torche, parce que quand tu mets le feu là, ça fait pas ça. Ah, c'est terrible, j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dino ça, non? Oh, mais il y a plein de trucs ici qu'on peut tuer pour récupérer la peau. Oh, fait péter. Carnage! Parfait. Le carnage aura réussi. Ouais, parce que si jamais on se balade, c'est aussi pour récupérer des trucs qu'on qu'on a un peu plus de mal à retrouver chez nous. Hein. Oh, je t'ai démonté, toi, d'une puissance, t'as pas idée. Ok, ça c'est fait, j'ai récupéré du bois, au passage, c'était pas prévu, ça. Y a une lumière là-bas, mais bon, elle est dans les terres, donc c'est mort. Y a d'autres trucs dans le coin, là, y a un tricératops. Y a une deuxième lumière qui est apparue. Où ça? Ah ouais, en effet, là-bas. Ouais, c'est dans les terres aussi. Ouais, c'est dans les terres. Bah écoute, laisse tomber, on est en radeau. Donc aujourd'hui, chers amis, c'est épisode radeau. Hein. T'es où? T'es séparé là-bas. Allez hop. J'ai eu du mal à monter. Hop, donc épisode radeau. Ou bien entendu, je vais faire cuire la viande que j'ai. Voilà. N'oublie pas de te vider à chaque fois que tu rentres sur le radeau. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Hop, donc là, il y a de la peau. Alors, il y a déjà des bolas, c'est bien. Je garde ça sur moi. Ça me sert à rien d'avoir autant. Je garde ça sur moi, c'est pour pouvoir réparer mes outils. Hein. C'est juste ça, c'est tout. Donc voilà, alors ce sera un seul épisode radeau. On rentrera certainement en off, rassurez-vous. On continuera peut-être. Oh là là, stop, 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 stop. Il y a un oiseau mort là. Ah non, c'est une manta.
putain la vache. 31 viandes de poisson cru, allons-y gamin. Moi je dis. Eh, mais... fait dans l'eau, hein. Ah mais non mais. Wouh. Bah. Pietro. Ah non, c'est moi qui est en train de conduire le radeau, je suis con moi. Non mais t'es idiot ou quoi? À quoi ça va te servir? J'ai monté un niveau. Bon, bah, ça va, ça aura servi effectivement. Alors, donc accéder à un inventaire. La viande de poisson, on la fout dans le coffre, hein, on s'en fout. Oui, oui. Hop, voilà, parfait. Bon bah c'est bon, chauffeur, droit devant. Alors, donc là on a le grand la lumière, totem. Elle est vraiment pas loin. Laquelle? Celle qui est en face. Ouais, moi je la trouve un peu loin quand même. Je serais toi, j'irais pas. Hein. C'est encore des coups à croiser des troudons, ce genre de saloperie. Hein. Ouais. Tout de suite, je parle des troudons, non. Ah, glag, 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 glag. Radeau, radeau, radeau. J'ai un lag, là. T'as un lag? Ouais. Ah. Ouais, si, elle est un peu loin, la lumière, quand même. Hein. Elle est pas tout près. Hein. Non, non, vaut mieux continuer sur le radeau, moi, je dis. Hop. Bon. Là, j'arrive pas à remonter sur ce putain de radeau, quoi. Eh bah moi si. Allez hop, c'est moi qui conduis. Rends-le-moi. Ah bon, bah d'accord. Si je peux pas conduire alors. Bon, oh bah alors. Si, tiens, vas-y, conduis. Non, 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 vas-y, à toi. À toi l'honneur. Voilà, j'enlève le gamma et on est bon. Le jour va bientôt se lever, normalement. Ce qui devrait être parfait. Oula, t'auras pas heurté un petit peu la plage, là? C'est pas si manuel que ça. Hein. Ça va, t'as pas trop chaud, t'es sûr? Bon. Je m'appelle Ghost Rider. C'est ça, oh putain. Oh là, qu'est-ce que... Pietro, il y a une architecture droit devant. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à nous, ça, hein? Non. Vas-y, va au plus près. Ah, dame bon Dieu, je sais pas qui c'est, mais il va regretter d'être ici, ça je te le garantis. C'est à qui, ça? Appartient à Tribe of Casali. Tu les connais? Non. Attends, parce que là, il y a une... Galère. Il n'y a rien dedans, en plus. Hein. Ouais, enfin, c'est si... sorti il y a longtemps. Il y a quelques trucs. Attends, je vais demander dans le chat. Que si jamais c'est à personne, moi je démonte tout, hein. Rien à foutre. Ah non, j'étais dedans. Par contre, le problème c'est que si jamais je rentre, je suis certain de pas pouvoir ressortir. Donc bon. Ils sont déco dans l'immédiat, pourquoi? On a trouvé un truc qui leur appartient. Ah galère, je sais même pas écrire. Oh, puis laisse tomber. Hein. Oui, mais je leur demande si jamais ils jouent souvent. Allez, viens. Ok, je laisse tranquille. Bon, parfait. Allez, go, on y va. Chauffeur, par... Non, pas par là, on en vient. Enfin... C'est le fleuve. Ouais, t'en foutrais, moi, du remontage de fleuve. Qu'est-ce que... Merde, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, j'ai sifflé. Frère et sœur, il débute. T'as trouvé quoi? Parfois, j'ai la lumière blanche. Juste leur buzz. Ok. Bon, jusqu'ici, tout se passe bien. Je vais pas aller voir la lumière en haut, là? Bah, elle est tout de même vachement dans la forêt, hein. Moi je dis c'est les coups à trouver des raptors. Alors les raptors avec trois flèches on peut les avoir, mais enfin quand même. Si on peut éviter de s'y frotter, je dis pas non. Il y a l'auberge du dodo pêcheur. Quoi? Oh, oh, regarde-moi cette cascade. Mais c'est sublime. Ce serait étonnant qu'on puisse remonter le courant comme un saumon, mais bon. Donc il y a apparemment une auberge qui est pas très loin, mais on l'a pas vue.
C'est sympa, hein. Regarde-moi ça, en plus on a une base avec un caillou et tout. T'es où? Ah, t'es là, tu me vois là? Ouais. C'est sympa, hein. Non, je sais pas, qu'est-ce t'en dis? Oui, c'est sympa. Après, à voir si jamais on peut bénéficier d'avantages ou pas, mais. On Moi, je achète des trouve. tortues ou pas? Non, non, on n'a pas assez de flèches, t'es fou. Faut combien de flèches pour les tortues? Il en faut au moins une quinzaine. Non, ça c'est quand on sera un peu mieux stuffé, mais en attendant, non, on n'a pas du tout quoi. En tout cas, c'est sympa. C'est sympa, on est à côté d'une petite cassette. Alors, je dis pas qu'on viendra s'installer là, sauf si jamais vous nous le dites en commentaire, mais. Toujours, c'est sympa, moi, je trouve. Quand Hop. tu viens? J'arrive, je suis en train d'admirer le coin, fais pas chier. Je me suis cassé un tibia, un peu de. Oh putain, par contre, il y a un. Non, mais, t'es trop. Il y a un crocodile de l'autre côté, fais pas le con! Allez, vas-y, roule, vite. Par contre, il y a un coffre. Il y a un coffre, mais il est trop à côté d'un croco pour qu'on y aille. C'est mort, avance. Non, fais pas le con. Non, fais pas le con, t'es fou, toi. Le croco, il est agressif. En plus, il nage plus vite que le radeau. T'es malade. Qu'est-ce que. Ah, ça, c'est un triceratops, d'accord. Tu feras gaffe, j'ai l'impression qu'il y a des carnivores sur cette plage. Ah, tu sais où on est, au moins, rassure-moi. J'ai rien mis moi sur la map, hein. Je sais pas où on est. T'inquiète, je retrouverai. Ouais. On va passer 15 ans sur ce jeu, le mec il va rager, il va me laisser seul avec le radeau et là je vais me faire attaquer par 3 mégalodons et 2 crocos. Ah tu vas voir que je vais être bien, tiens. Bon. En tout cas jusqu'ici les paysages sont pas trop dégueux. Il pleut, ce qui nous évite de boire, n'est-ce pas Pietro? Attends, stop, tap, 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 tap. Ah non, c'est des arbres. Je croyais que c'était des piliers. Non, c'est Il y a juste un des. dodo à côté de toi. Ah bon? Où ça? Il y a un diplodocus, enfin pas un diplodocus, mais un long cou là-bas. Un brachiosaur. Un Je le dodo. fais? Hein? Je le fais? Pff, tu rigoles. Il nous faut des canons pour nous le faire, celui-là, t'es malade. Mais tu sais même pas. Bah, je sais même pas. Mais il est où ce con? Ah, il est là. Oh, on a. Ah non, je crois que c'était un œuf de dodo, je suis dégoûté. Ah, si jamais tu veux te le faire, écoute, à ta guise. Moi, personnellement, j'y touche pas. Trop. Non, mais sans déconner, viens là. Ah, il y a un mégalodon qui vient. Ah, j'ai récupéré ma prise. Ah. Alors, est-ce que ce dodo va avoir une pose un peu plus stylée que l'autre truc? Oh, franchement, bel équilibriste. Ah, j'avoue que là, niveau souplesse, il y a ce qu'il faut. Moi, je dis respect. Quand tu veux. Quand je veux, de quoi? Attends, je suis en train de niquer le dodo. C'est toi qui m'as dit qu'il était à côté de moi. Je l'aurais pas vu, moi, sinon. Non, Pietro, ne. Fais pas le con. On touche pas au méchant dino. Enfin, au méchant. Il est pas méchant dans les médias, mais. Ce serait bête qu'il le devienne, quand même. Ne réagis pas. Ouais, il réagit pas, peut-être parce qu'on est trop loin. Non, mais t'approches pas! Là, je suis. Non, mais attends, t'as vu déjà le nombre de nos flèches qu'il faut pour une tortue? Je suis sûr que pour lui, on n'a pas de quoi. Hein. Tu veux qu'on essaye, vraiment? Bah, dans ce cas, on se met à l'écart. Hein. Et puis, tu te prépares à t'écarter si jamais il. Si jamais il nous attaque. Il y a un caillou, là. Bon, a priori, ça n'a pas grande importance. Non, du coup, on se le fait pas? Non. Non, c'est préférable. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est joli ici aussi. Ok, bon, ça, c'est les carnivores, on va pas s'en approcher. Qu'est-ce que tu fais? J'ai raté. Vraiment pas J'ai doué. raté. Oh, t'es pas, t'es vraiment pas doué, c'est pas possible. J'ai raté. J'ai pas raté. Dégage, c'est clair ou pas?
Avec la hache, hein, si tu veux récupérer de la peau. Je pensais que tu visais la tortue, moi, au départ. Ah non, je ne visais pas la tortue. Ok, très bien. Bon, bah écoute, vas-y, droit devant. Il y a une Ah, lumière. là, il y a une lumière, par contre. Tu me laisseras la prendre, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Je vois pas pourquoi tu veux la prendre, mais si tu veux. Par contre, non, ça va. Elle est encore. Par contre, je crois que le cristal n'est pas encore descendu. Si? Non, elle ne l'est pas en effet. On peut attendre, c'est pas extrêmement grave. Il doit bien y avoir des animaux à chasser sur cette plage. Ok, nous sommes des explorateurs, des colonisateurs, s'il vous plaît. Et en effet, le cristal n'est pas là. Alors, colonisons tout. Tout, tout, tout. À la fin, je veux que cet endroit ressemble à un parking. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, il y a un stégosaure. Ah non, c'est un tressier, je suis con, moi. Il n'y a rien à chasser. Putain, t'es fondu dans le paysage, toi, je t'avais pas vu. Petit Renault, nom de malheur. Autre chose ou pas? Là, il y a un parasaur. Là, il y a deux dilophosaures. Je vais essayer de les avoir un à la suite des autres. Alors, attention! Ai-je du skill à l'arc? Peut-être un peu loin, quand même. Ah, lui, il dit « Oh merde, quand je demande si j'ai du skill », c'est que c'est pas le cas. Eh ben, nickel. Oh bah. J'ai eu la torche. Parfait. Moi, j'ai eu deux Dilophosaures avec trois flèches. Normal. Ça va d'avoir une tortue comme ça? Tu l'avais combien de flèches? Une quinzaine, ouais. Ouais, c'est ça ce que je t'avais dit. Pas mal. Ouais. Ah, mais c'est la violence à avoir. Ah, par contre, j'étais content parce qu'en off, j'ai tué un Fioma et j'ai eu 50 viandes. Intéressant ça. Ah, le cristal est là. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? De la merde. Ah bon, c'est-à-dire? Sac de couchage, feu, baie. Ah oui, en effet. Il y a Et un petit combien? peu de sucre étincelle. Ah, ça, soupe étincelle, ça, c'est vachement bien ça. Ça nous évite d'en faire. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire, hein, je crois. Il me semble, mais bon. Il m'a pas du tout l'air gentil, celui-là. Bon, bah, du coup, on remonte sur le radeau? Attends, il y a une lumière verte derrière, faut qu'on y aille. Le vide. Oh, t'es dégueulasse. J'arrive! Allez! Lumière verte, on peut pas y accéder, si. Si, lumière verte, c'est au niveau 15. Oh putain. Bah Pietro, mais il me laisse pas là! J'ai demi-tour. Eh, je t'en foutrais, moi. Tu veux m'abandonner, quoi. Regarde comme c'est maniable, tu vas voir. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Eh, c'est bon, j'y suis. Yolo. Par contre, Allez, là... conduis. Conduis, tu vas voir, c'est comme c'est maniable. D'accord, très bien. Je peux pas, il veut pas. Ah, ah si, c'est bon. Alors. La 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 la. La 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 la. La la la. Oh bah ça va, c'est maniable quand même. Bah essaye de faire de la tortue à La voir. la la. Bon, ça, d'accord, je dis pas. Mais sinon, ça va. La 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 la. Ça fait tellement penser à Pokémon. La 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 la. La 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 la. Ils sont La. tout droit, on rentre chez nous là. Ah bon? Fais gaffe, il y a un gros dino là, je sais pas si j'ai mis les méchants ou pas celui-là. Une tortue. Non, non, la queue, derrière. Ouais, c'est un dilo. Tu déconnes? Ah, quoi que si, c'est peut-être un diplodocus lui, je suis pas sûr. Prendrais la lumière, tu prends le dino à côté là. Hein? Prends le dino qui est là-bas, là, le carnivore. Où ça? Oh, il m'a piqué un truc, l'enculé. Où ça le carnivore, je le vois pas. Derrière le rocher. Le rocher. Il y a un carnivore. Ah mais non mais... Je ne sais pas du tout de quel carnivore tu parles.
Bon alors toi mec, j'imagine que vous venir me voler quoi que Oh ce putain, soit. rien de plus. Un dilo, un dilo, deux dilo, quatre dilo, cinq dilo. Viens m'aider. Oui, avec plaisir. Quand j'aurai récupéré ce que cette saloperie m'a Je volé! suis sûr que je suis en train de mourir quand même. J'arrive! C'est pas possible ça! Et tout ça pour de la pierre. J'arrive! T'es où? Ah bah je vois que t'as réussi à t'en sortir. Ah oui, hein, il a bien fallu. Qu'est-ce que t'as vu dans la lumière? Bah, je sais pas, c'est ce qui m'a protégé en fait. Elle m'a tombé dessus, elle est tombée dessus et les deux dinos ils sont disparus. Du narcotique. Ah, ils sont encore là du coup. Tifiant de cru. Putain, mais c'est pas vrai ça! Dégage! Ouais, non, je vais les suivre en fait, les dinos. Bah oui, évidemment que tu te les as fait. Il y a une marmite aussi et un marteau pilon. Une Et marmite. un. Y a, alors, j'ai eu une marmite, une grande armoire de stockage, un marteau pilon et des narcotiques. D'accord. Sympa ça. Déjà un peu plus utile, ouais. Des narcotiques, ça c'est super utile. Ça, on pourra peut-être se faire des flèches. Des flèches. Attends, je regarde, tiens, dans les engrammes si je peux. Point d'engramme, j'ai 63. On devrait aller, je pense. Alors, ah bah oui, c'est vrai que je suis au level 20, moi. J'avais oublié ça. Alors, donc des balustrades en pierre, des pièges avec alarme sonore, pourquoi pas. Des présentoirs pour les trophées. Ah, des flèches tranquillisantes. Faut que je débloque les narcotiques, par contre. Alors, narcotico, où sont-ils? Attends, je vais les noter, ce sera plus simple. Ah là, les narcotiques. Hop. Et donc maintenant, alors donc les flèches tranquillisantes. Parfait. Alors par contre là on peut se faire des gants en cuir. On peut utiliser des mangeoires aussi. Un composteur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, la selle de Triceratops, je la débloque. On peut avoir des gants en cuir, des bottes en cuir, un casque en cuir. Moi j'ai déjà le plastron. En cuir? Bah oui, regarde-moi. Ouais, attends, je te vois pas. Effectivement. Alors, par contre, pour les flèches tranquillisantes, qu'est-ce qu'il faut? Parce que je m'en ferai pas tout de suite, mais. Alors, un narcotique et une flèche en pierre. T'en avais combien des narcotiques, toi? Un seul. D'accord. Oh, un mortier et un pilon, parfait. On n'aura pas besoin de la prendre. Très bien. Bon, pour le moment, les flèches, ça sert à rien. Par la suite, ça me sera sûrement utile, par contre. Genre pour tamer le Triceratops. Parce que oui, on a toujours comme projet d'avoir un Triceratops qui nous ramassera des baies à l'infini. Hein. Aucun doute là-dessus. Donc là, on rentre à la maison. On rentre à la maison? Bah on explore pas encore un peu. Bah, ça dépend, il reste combien de temps la vidéo? Bah, je sais rien moi. Il reste 13 minutes. C'est honnête. Attends, attends, c'est quoi ça? Je vais essayer de le taper ce truc-là. Ouais, moi aussi, je voulais faire ça. Décale-toi un peu. J'ai pas trop envie de descendre à l'eau, tu m'en veux pas, hein, mais. Attends, je vais faire demi-tour. Ah, ouais, c'est peut-être mieux. La 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 la. Si ça se trouve, faudra aller dans l'eau pour avoir son cadavre après. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, stop! Alors. Bah putain. Je l'ai tué, très bien. Nommez votre radeau. Mais non, je veux pas nommer le radeau, dégage. Ah! Quelle galère. Ah, j'ai eu de la toxine biologique. Ah! Ah! Au secours, au secours, au secours! Oh putain, dégage toi. Putain de ta mère! Piet. Je Merci ne Ed. pouvais rien faire, il y avait un mégalodon. Bon bah écoute. Tu pourras me récupérer mon stuff quand même ou pas? Il est tombé au fond de l'eau. C'est pas vrai. Bon bah écoute, je suis mort comme un caca. C'est vrai que j'avais pas pensé que ce truc-là pouvait T'avais être quoi sur toi? nocif. Bah j'avais un arc, tout un stuff complet quoi. Ça le fout mal quand même. Putain, je suis Je nul. pourrais essayer d'aller le chercher, mais... Bah mets d'abord ton stuff dans le radeau. Et note la position du radeau. Ce sera peut-être mieux si on veut le retrouver.
Je peux juste regarder déjà. Bon, bah écoute, je suis mort comme un caca. Par contre. Oh là. Ok, galère. Par contre, les pieuvres ont l'air assez méchantes, hein, donc fais gaffe. Ça fait chier, j'ai vu de la toxine biologique. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Non, je peux pas y aller, il y a vraiment mégalo, non. Oh merde. Parce qu'avant, il n'y en avait pas vraiment. Non, non, mais là, il est genre en dessous le radeau et je crois qu'il guette ton cadavre là, en fait. Oh En fait, il putain, décrit quelle des merde. cercles autour de l'endroit où il y avait les méduses. Alors, bon, tu m'excuseras. Ouais, j'avoue que c'est pas top, effectivement. Bon, bah, tant pis. Tant pis, je suis allègrement mort. C'est. Quelle merde! Tant pis, alors attendez, je vais juste voir qu'est-ce qu'il faut pour faire un stuff en cuir. Que pour le coup, vu que je suis revenu, autant en profiter. On est juste à côté de la baraque, hein. Tu peux toujours tenter d'aller chercher. Hein. Juste à côté de la baraque, t'es sérieux? Oui, Qu'est-ce je que la t'... vois la baraque ici. Hein. Ah bon? Ah oui. Sérieusement, mais Bah, t'es où? regarde le rocher dans l'eau. Le rocher dans l'eau? Attends, je me mets sur la falaise. Je te vois pas, moi. Je sais pas où t'es. Ah, mais si, t'es là! T'es là, et donc du coup, on était juste devant? Juste à côté là-bas là. Ouais, alors là-bas, c'est une notion très relative, mais. Ah, pour le coup, je récupère mon stuff, c'est intéressant. Qu'est-ce que. Non, ça va, c'est un rocher. J'ai eu peur. Je commence à avoir peur de tout, moi, dans le jeu, c'est une horreur. Alors, attends. Franchement, si tu veux venir sans stuff, Bah, j'arrive, je suis en train de courir là, tu marches. Enfin, t'es sur le radeau là, en fait. Je te vois. Oh, tu m'attends, peut-être? Bah, Pas mon du tout, stuff. t'as pu tomber par contre. Hein? Pas du tout, t'as pu tomber. Mon stuff est juste là, non? Bah normalement, ouais, juste à côté du rocher Là, là. juste à côté des méduses, ouais. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire violer par des salacantes ou d'autres saloperies du genre. Mon stuff. Alors attends. Pour le coup, je suis sous l'eau, donc normalement, je sais pas si jamais les méduses viendront. Ah, si, elles viennent! Putain de merde. Ok, bon, je peux pas récupérer mon stuff. C'est pas possible. Ouais, C'est. t'as deux mégalodons. Ouais, bon, c'est juste pas faisable. Tant pis. Tant pis, tant pis. Écoutez, chers amis, j'ai perdu la totalité de mon stuff. Ce sont des choses qui arrivent. Et étant donné que je peux pas respawn au lit parce que je suis mort. Voilà. Je sais pas où je suis. Oh, il y a une lumière. Ah, oh, bah nickel, tiens, tu sais quoi, je vais y aller. Ah, chier, y a un dilo. Attends, il y a une lumière, je sais pas ce qu'il y a, mais si jamais ça peut me refaire mon stuff, j'apprécie. C'est quoi? De toute façon, t'avais tout mis dans le coffre. Ah bah non, tu déconnes, tout mon stuff était sur moi. Hein. Non, mais genre tout ce que t'avais récupéré dans avant. Oui, les pots qu'on a comme ça, oui, bien sûr. T'avais pas pris une marteau et le pilon comme ça. Non, 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 tout est resté dans le coffre. Ah, bah c'est nickel, ça m'en fait un stuff de base. Avec une hache, trois lances, une torche et un lance-pierre avec zéro munition. Je vais aller loin avec ça. Alors attends. Où est-ce que je suis? C'est pas là, c'est là qu'il faut que je regarde. Je suis où moi? Ah d'accord, c'est même pas indiqué où je suis. Ah ça me plaît pas ça. Sans déconner, c'est pas indiqué où je suis, comment je le sais moi? Bon, très bien. Ah, attends, Pourrait pas t'aider. il y a une lumière verte juste à côté, je vais y aller. Bon, le cristal n'est pas encore descendu, Lumière mais. verte est à côté de la maison. Ah bon? T'es sûr? Oui, je la vois. Par contre, là, il y a un triceratops qui est mort, j'ai l'impression. S'il est mort, c'est qu'il y a une bonne raison, donc fais attention. Ouais, je pense aussi, ouais. Et il y en a d'autres qui sont en sang, par contre. Non, c'est pas un triceratops. Ah non, c'est un crocodile. Le crocodile qui, lui, a priori, est toujours en vie. J'ai cru qu'il était mort, en fait, c'est pas le cas. Il a attaqué les triceratops. À moins que les triceratops les défonçaient, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en vie. Bon, je m'en fous, tu me dis, hein, je sais pas où je suis là. Ah non, il est mort, on est bien d'accord, hein.
Ah, j'ai de la viande crue supérieure en tuant le... Enfin, en niquant le crocodile. Et j'ai aussi 36 peaux. Bon, très bien. Alors, par contre, tu me dis que je suis à côté du... À côté de la maison? Bah moi je la voyais tout à l'heure la lumière, ouais. Parce que moi, de la map, je sais pas où je suis. Hein. Il y a un raptor qui est mort aussi. Ah, attends, c'est un Va vers inventaire. la lumière Wow, verte, il a là où. tel... Sans déconner, le raptor, il a des flèches sur lui. Avec des chaussures en tissu. Je cherche l'erreur. Il aurait pas bouffé ton stuff. moi là, je suis sur la lumière. Mais sincèrement, sur la map, je sais pas où je suis. Hein. Il m'indique rien du tout. À moins que je sois un crétin fini, ça aussi c'est possible, mais. Je viens de chercher. D'accord, tu vois la lumière verte? Ah ouais. Bah c'est nickel, moi j'attends juste en dessous que le cristal descende. Donc, bon bah. En tout cas, les tricératops ont dézingué le. Ont dézingué le, comment dire, le crocodile, c'est bon à savoir ça. Ok, le cristal Ah descend. putain, j'ai du lag au moment où je vais me faire attaquer. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah c'est bon, je te vois. Ok, j'ai eu un schéma de fondation en bois, tu me vois? Ah, par contre, merde, j'ai éteint la lumière, j'aurais peut-être dû attendre. Retourne-toi. Oh, bonjour! Alors, j'ai eu un schéma de fondation en bois qui pèse a priori bien moins lourd que le truc en bois normal. Non, Pietro, non! Ah. Et du coup, notre maison elle est loin? Ou alors t'es venu en radeau? Oh, je suis venu à pied. Ah, t'es venu à pied? Bah, il est où notre maison? Je reconnais pas la falaise en face là. Ah, si, exact. Ah, mais de l'autre côté, je pouvais pas le savoir. Ah mince, ma viande crue supérieure est devenue une viande avariée. C'est couillon ça. De la nourriture, tu veux quelque chose? Non, non, j'ai des baies, ça va bien se passer. Et où est-ce que je suis là? Putain, y'a un raptor qui est en train d'attaquer un machin. Faut vite que je me casse de là, moi. Oui, en effet. Parce que là, moi, j'ai pas de quoi me défendre. Hein. J'ai juste trois lances et. Et c'est tout, quoi. Ouais, le problème c'est qu'il est entre nous et la maison. YOLO! Attends, il est en train de s'attaquer à un autre truc, là. Yeah, je l'ai tué! Heureusement que je t'ai aidé, quoi. Et Tu je vas suis être tué le bloqué dans par ta hasard. version. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Mais attends, ne le tape pas, je récupère la peau. Très bien. Hop. Non. C'est pas grave, tu récupéreras mon stuff et je partirai. Putain, ouais, sans déconner, c'est vrai que je suis coincé. Et moi, je vais pas venir se chercher, hein, c'est bon. J'ai 20 flèches!
Bon, alors, chers amis, on est un peu dans la merde. Parce que Pietro a mis la fondation, il a mis une échelle pour essayer de me sortir de là. Mais trop bon. Et en mettant l'échelle, cette andouille est tombée. Cette andouille est tombée avec moi. Vous êtes trop bon, ce gâteau au chocolat. Donc on est un peu dans la... Ah ben oui, Ashram est là aussi, évidemment. Là, on a demandé à Ashram de nous décoincer parce que là, c'est pas faisable. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, chers amis, cet épisode va s'arrêter là. Ashram va nous décoincer. Comme vous voyez, il vole, le salaud. Donc voilà, j'espère que cet épisode de Dark vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. À plus, tout le monde.